Hello, bienvenue dans ce nouveau numéro de Minibook. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Opération Fournaise, écrit par Regina Yahou. C'est tout de suite. Regina Yahou, c'est une écrivaine ivoirienne qui est malheureusement décédée en 2017. Dans ce livre, Opération Fournaise, elle raconte l'histoire d'une jeune stagiaire qui commence dans une entreprise. Elle a envie de faire ses preuves. Le patron lui donne des instructions très claires, elle ne doit pas rester très tard et elle a en charge un stock de lait, c'est-à-dire qu'elle doit veiller sur le stock, qu'aucun élément ne puisse manquer jusqu'à ce qu'il puisse être livré comme il se doit. Sauf qu'un soir, elle va rester très tard et là, elle va entendre une conversation de son patron qui est en train de donner des instructions, qui est en train de parler à quelqu'un d'autre au téléphone et à qui il annonce qu'en fait, le stock de lait est empoisonné. Et il est destiné en fait à faire descendre, à faire démettre le président. Donc c'est un coup d'État qu'ils sont en train de préparer. Donc Christelle tombe sur cette information-là, elle est troublée, elle cherche comment elle va faire. Donc sa mission sera d'informer le président de la République. Sauf qu'elle ne connaît personne. Comment Christelle va se débrouiller pour porter cette information-là en dépassant tous les intermédiaires qu'on peut s'imaginer jusqu'à pouvoir toucher le président de la République? Est-ce qu'elle va réussir cette mission? C'est ce qu'on va découvrir dans le livre. J'ai trouvé le livre très intéressant, très captivant, c'est-à-dire qu'il peut être destiné aux enfants, en fait, aux adolescents d'environ à partir de 15 ans. Par contre, il y a quelques longueurs qui font que ça ramollit un peu le suspense, on s'ennuie un peu parfois, donc on aurait pu se passer d'environ une cinquantaine de pages. On va pas être très méchant, on va s'arrêter là. Donc je recommande à toutes les personnes qui ont envie de se plonger dans un livre, qui ont envie de découvrir une histoire captivante, qui ont envie de passer un moment agréable. Regina Yahou, Opération Fournaise. Comme d'habitude, je vous lis une petite partie pour que vous ayez une idée. Delphine ne put s'empêcher d'en ressentir un pincement au cœur. Israël tenait toujours à sa Brigitte, à ce qu'elle voyait. Il mériterait qu'elle épouse son meilleur ami Achille Téléka pendant qu'il se payait du bon temps en famille en France, se dit-elle. Malheureusement, se souvint-elle, elle ne pouvait supporter Téléka. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a des parties qui j'ai trouvées n'étaient pas très utiles parce que là, on est en train de parler d'une idylle entre le patron et sa secrétaire. Bon, ça n'apporte absolument rien au récit, mais comme je vous dis, ça ne change rien à la qualité du livre qui est très bien écrit et qui est très captivant. C'est terminé, Minibook, pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.